Shavua Tov, Beshem Hashem, Naaseh Benatzliach, Shenizke, Leagdil Torah, Uleadira Betachlit, Shadirat Shamayim. On est ce matin dimanche 10 du mois de janvier, le 26, le Kavav, du mois de Tevet, Lechem Tovim Ushalom, Shiur dédié ce matin dans la liste très longue que nous avons grâce à vous, Toda Rabba, que Dieu vous bénisse, soyez juste un peu patients, Julie Martin Attardo, Yael Bat Naomi Simcha et David Ben Mesaouda, Bezrat Hashem, Shisku, les Yeladim Rabim, pour Bezrat Hashem, une belle descendance, tout ce qu'ils désirent sur leur chemin, que le mérite de cette étude et à la fois de ce matin qu'on étudiera sur les conditions de Netilat Yadayim, où est-ce qu'on peut ou pas les faire, leur apporte tout le réconfort et qu'ils aient le bonheur et le plaisir de pouvoir faire Netilat Yadayim à une ribambelle d'enfants. Bezrat Hashem, en bonne santé sur le chemin de la Torah et des mitzvot. Et on se traîne grande refoua shlema achlama mira pour tous les malades d'Israël, bichlala moratim yagdosha vatora, vechen sarat arabat afak miriam, jo Eliaou ben simcha alice amar anna el narefanalo. Si vous pouvez faire des télim pour lui, vous serez béni du ciel. Bémet, il a besoin de notre soutien. Shmuel Salomon Journo yanaï ben Esther, Michael Avraham ben Chana Rivka, Arik Yaron ben Chaya, Avi Yitzhak ben Devorah, qui est sorti du coma grâce à Dieu, Baruch Hashem. J'ai oublié son nom, le frère de Meir Soufan. Le foie Shema, Dieu, il sait de qui on parle. Elef Alfa Avdalim, Leilou Nishmat, Kolmete Israël, Ubichlala, Maïcha, une femme merveilleuse qui nous a quittés aussi. Shalcha Lebet Olama, Huguet, Shira, Chaya, Bat Ivon, Mesaouda, Baruch Hashem, Tenachena, Begane Eden, Elion, Bechol Shorvot, Ima, Yosef ben Rachel, Chaim, Aaron, Yosef ben Esther, Gérard Grulik, Yehuda Sine ben Eliyahu Sayad Alava Shalom Tzipora Bat Zeligman Levi Denis Bat Simcha Lola et Shane Bat Finja Vechol Mete Israël Be'ezrat Hashem, qu'on entende que de très 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 bonnes nouvelles. Une grande atzlacha pour tous nos tormim, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Léonie Assouline, entre autres, Alexandra le guide, tout a été noté. Merci aussi pour ceux qui achètent des shiurim, soyez juste patients, la liste est très longue et je m'efforce de faire ce que je peux. Sarah Rachia, et je profiterai aussi pour souhaiter une grande refoua shlema pour le Rav Yachi de Natania, lui et sa femme, une grande achlama meira be'ezrat Hashem. Cyriel Senenger, si j'ai bien prononcé Michael Meloul, on l'a noté. Sarah Tapiero, Annie Peretz, Alice Leb, Elisabeth Atlan, Pascal Gulot, Vechen, refoua shlema pour Franck Yehuda Ben Fortuné Chaya. Refoua shlema, refoua ta nefesh, refoua ta gouf be'ezrat Hashem, idbarach, amen. Et là, on commence le shiur. Qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. On est en séguer en Israël pour 2 semaines, une fois de plus. On ne peut pas trop sortir, on ne peut pas trop bouger, mais on peut étudier. On a vu ensemble le dernier shiur sur Netilat Yadayim, la pureté de se débarrasser de ce que nous ne voyons pas et qui peuvent nous empêcher de travailler à Kadosh Baruch Hu. La question maintenant, nous sommes donc avec les lois du Rav Ovadia Yosef, c'est de savoir où on peut faire Netilat Yadayim. Est-ce qu'il y a une différence entre un Netilat Yadayim de manger du pain et le Netilat Yadayim du lever du matin? Réponse oui. Il y a quand même une grande différence. C'est que les trois raisons qui sont rapportées dans le Shulchan Aruch, même s'il y en a d'autres, pour lesquelles nous faisons Netilat Yadayim, c'est en souvenir des Kohanim, pour l'impureté qui se déposerait sur les mains ou pour avoir des mains propres. Ce qui fait que dans les cas de figure qu'on a les mains propres, alors on le fera, même si on a déjà fait Netilat Yadayim du matin pour nous débarrasser de l'impureté, pour avoir les mains propres. Ou en souvenir des Kohanim, ou parce qu'on a les mains impures, et ainsi de suite. Maintenant, on nous dit comme ça, il y a des choses que, Béhémet, il faut savoir, c'est que le matin, des fois, on se lève et puis on est pressé. Il y en a qui fument, malheureusement, car fumer nuit à la santé. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'on a le droit de fumer sans faire Netilat Yadayim le matin? Imaginons le cas d'une personne qui fumerait dans sa chambre, ce qui serait dommage, mais imaginons le cas, il se lève à 5h du matin et veut fumer une cigarette. Est-ce qu'il doit d'abord faire Netilat obligatoirement ou pas? Réponse, durable, on va dire. Moutar la chaîne cigariote Kodem Netilat Yadayim. On a le droit de fumer une cigarette, même si on n'a pas fait Netilat Yadayim le matin, même si c'est un mauvais conseil de fumer encore une fois de plus, mais on parle sur le domaine technique ilchatique. Et chen moutar minatin moutar la diar tabak, areach kodem netilat yadayim shacharit, et même de préparer son, vous savez, la cigarette avec le tabac qu'on met à l'intérieur, pourtant on est en train de les toucher, eh bien, on pourrait, min adin, le faire. Même si c'est toujours mieux de faire d'abord et avant tout netilat yadayim bechol sheken, she moutar be ilu kodem, natal yadav mbet akise, mbet akvarot, ben lachush lemi shemachmir baze,
la plus forte raison qu'il est permis de le faire, même si on sort des toilettes ou même du Beit Alamin, de la. Comment on appelle ça? Du cimetière. Le Nouvel Walechem. Arshav. Donc on a vu qu'on avait le droit de s'habiller si on n'a pas fini Tilat Yadayim. On a le droit de fumer si on n'a pas encore fini Tilat Yadayim le matin. On a le droit de faire des choses qui, en fin de compte, ne se consomment pas. Parce que dans le dernier cours qu'on avait fait, on a vu que ce sont des choses qui sont en rapport avec l'homme, que l'homme touche, que l'homme met à l'intérieur de lui-même. Tandis qu'en général, une cigarette, on ne la touche pas au bout pour la mettre après dans la bouche. On prend une cigarette et on l'utilise telle qu'elle. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même une différence entre le Netilat Yadayim du matin, qui se fait avec la bénédiction de Al Netilat Yadayim, et celle de manger 54 grammes de pain qui se dit avec la bénédiction de Al Netilat Yadayim. Lama. Parce que le matin, on se lève du lit. Et automatiquement, on est empreint d'une impureté qui est beaucoup plus forte que la journée. La journée, on a déjà fait Netilat Yadayim du matin, donc on est beaucoup moins susceptible à l'impureté de la nuit. Ce qui fait que la halakha nous dit « Moutar l'itol yadayim de Netilat Yadayim shacharit etor keara midbach anekuvot shelanu shenikraot beshem kior » Est-ce que oui ou non, on aurait le droit de faire Netilat Yadayim dans un évier le matin? Parce qu'on aurait pu penser que, vu l'impureté de la nuit, on ferait Netilat Yadayim dans une espèce de bassine spécialement aménagée pour cela, que l'on verserait dans les toilettes. Réponse non, on peut tout à fait faire Netilat Yadayim dans un évier aujourd'hui qui a un trou qui mène dans la terre par le système de tuyauterie. On a tout à fait le droit de faire Netilat Yadayim. Seulement, il y a quand même une différence. C'est que même si on sait qu'en versant 84 grammes d'eau, on annule la touma. On annule. C'est-à-dire que quand je prends mon kéli et que je verse de l'eau, j'annule par la quantité de 84 millilitres, si vous préférez, la touma qui tombe. Si je fais moins, c'est un problème. C'est bon, voilà. Si le matin, le kior, l'évier, est rempli d'assiettes, de verres, et ainsi de suite, il est préférable, dans ce cas-là, de débarrasser l'évier et de le faire à même l'évier sans ustensile à l'intérieur. Même si on sait que, étant donné que la quantité d'eau que j'ai mis va annuler la touma, c'est-à-dire l'impureté, malgré tout, il est préférable, car l'eau de Netilat Yadayim du matin est vraiment très nuisible pour la santé spirituelle de chaque juif. Mais la reine, si on parle de Netilat Yadayim du matin, il est préférable de retirer les ustensiles de l'évier et de faire Netilat Yadayim dans la cuisine de Bezeh Shumbaya. Par contre, quand il s'agit de la journée de faire Netilat Yadayim, il n'y a aucun problème de faire Netilat Yadayim au-dessus de vaisselle qui serait placée dans l'évier. Par exemple, on aurait 5-6 assiettes à l'intérieur qui n'ont pas encore été lavées et on veut faire Netilat Yadayim. Est-ce que je peux faire mon Netilat sur les assiettes? Réponse, dans la journée, il n'y a aucun problème avec ça puisque la quantité d'eau, non seulement l'annule, mais de qui plus est, le Netilat du matin a enlevé l'impureté de la nuit. Donc, NBZ Shumbaya, ce serait mieux qu'il n'y ait pas, mais il n'y a aucun problème. Par contre, le matin, c'est une marloquette très importante, à savoir, est-ce que oui ou non, on pourrait ou pas le faire? Réponse, il est préférable de faire Netilat Yadayim dans un évier vide, je parle de Shacharit, donc de Netilat Yadayim du matin, et non pas sur des ustensiles, même si on sait que la quantité d'eau va annuler la Touma. Il est préférable d'être vigilant dans ce cas-là. Ça, on l'a vu ensemble. Moutar la sot Netilat Yadayim tfila. Alors, maintenant, une deuxième question qui est posée ici, donc dans la halakha. Qu'est-ce qui se passe quand on veut faire Netilat Yadayim dans le Hambatia? Alors, le Hambatia, c'est la façon dont la douche, dans là où il y a la salle de bain. C'est une grande question parce qu'en général, par exemple, en Israël, dans certaines maisons, une grande partie des maisons, à partir de 4 pièces ou 5 pièces, on a tous, d'une certaine façon, une salle de bain dans la chambre. Asma Osim, est-ce qu'on peut faire ou pas Netilat Yadayim là-bas? Réponse, quand on se lève le matin, on va tout simplement dans la salle de bain, on fait Netilat Yadayim, même s'il y a des toilettes. Mais on ne dit pas la bracha de Netilat Yadayim. On fait Netilat Yadayim pour se débarrasser de l'impureté, on s'habille, on fait ce qu'on a à faire, ensuite on va dans la cuisine, et là-bas, on pourra tout à fait faire Netilat Yadayim avec la bénédiction. Dans le cas où on est à l'hôtel ou dans un avion, ou dans ce cas-là, on n'a pas où aller, on a tout à fait le droit de faire Netilat Yadayim dans cette toilette, dans cette salle de bain. Bien entendu, la bénédiction se dira à l'extérieur, mais on a le droit. Le mieux, comme c'est une grande marloquette entre deux géants de la Torah, Maran Arav Ovadia Yosef, le Or Letzion, le Rav Ben Sion Abba Shaul,
À savoir que le Rav Ben Tzion Abba Shaoul, lui, permet de faire Netilat Yadayim là où il y a des toilettes, parce qu'il dit que les toilettes aujourd'hui, c'est plus des toilettes turques comme avant, que l'eau est renouvelée, la quantité d'eau qui descend est bien supérieure à la quantité requise par la halakha. Donc pour Rav Ben Tzion Abba Shaoul, il n'y a pas de problème de faire Netilat Yadayim dans un lieu où il y a des toilettes, puisque les toilettes sont aujourd'hui renouvelées. Le Rav Ovadia Yosef, lui, dit que oui, d'accord, c'est renouvelé, mais l'impureté reste quand même. Velachen, dans un cas de force majeure, on n'a pas le choix, comme dans un avion, comme le matin, un hôtel, eh bien, on peut tout à fait faire Netilat Yadayim dans cette salle de bain avec les toilettes. Le mieux, c'est ce que je fais moi en général, je tire la chasse et je baisse, donc je renouvelle l'eau, et je baisse le couvercle des toilettes. Ainsi donc, j'ai formé une espèce de paroi entre les toilettes et mon Netilat Yadayim, je fais Netilat, je sors à l'extérieur avec une serviette et je dis la bénédiction de Al Netilat Yadayim. Vous pouvez faire pareil pour l'avion, vous tirez la chasse, vous baissez le couvercle des toilettes, et vous pourrez ainsi donc faire Netilat Yadayim, sortir à l'extérieur, par bien entendu, on ne dit pas de bénédiction à l'intérieur d'une salle de bain, même s'il n'y a pas de toilettes, et donc on dira à l'extérieur la bénédiction de Al Netilat Yadayim. Voilà. C'est-à-dire une douche. Oui, s'il n'y a pas de toilette, alors c'est une excellente question. Qu'est-ce qui se passerait si j'avais une salle de bain sans toilette? C'est-à-dire que les toilettes se trouvent dans une autre pièce, toilette séparée de la salle de bain, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de le faire. Pourquoi? Parce que la zéa, c'est-à-dire que la sueur que nous avons quand nous prenons la douche, elle est présente pendant la douche, mais on prend la douche, une fois que c'est fait, la salle de bain reste elle-même. Le problème, c'est les toilettes dans la salle de bain. Donc, je vous lis là, la hamoutar, comment on dit ici? Netilat Tefila, par exemple, faire Netilat Yadayim dans une salle de bain Bechedar Ambatia pour la prière, il n'y a pas de problème. Verecha Netilat Yadayim Bachout, et Kevan Shamaim Al Yadav, et Yeshman Tefach, Vechoule Vechoule, tout ça on l'a vu. Adar, Chedar Ambatia Shem Bachia, qui c'est Yesh Shem Beres Kavua Im Kera Rechitza, Moutar Lechatrila, Netilat Yadayim. Donc voilà, il répond ici le Rav Ovadia, Lechatrila, dans toute salle de bain où il n'y a pas de toilette, Lechatrila, il n'y a aucun problème de faire Netilat Yadayim dans cette pièce-là, et de sortir, bien entendu, à l'extérieur pour y dire la bénédiction. Adar, Shejbo, Betakise, Shejkavua, Silon, Maïm, ça, on l'a vu ensemble. C'est plus ou moins les questions de Netilat Yadayim. Alors, juste comme ça, un récapitulatif, dans quel cas on fait Netilat Yadayim avec Bracha, et dans quel cas on fait sans Bracha? C'est très simple. Avec Bracha, il n'y a que deux cas. Deux cas, pas trois, deux, c'est tout. Le matin, quand on se lève du lit, si on a dormi, Bezrat Hashem, 18 minutes ou une demi-heure d'affilée, donc on se lève le matin et on fera la bénédiction de Al Netilat Yadayim, en levant ses mains au niveau des yeux. Et le deuxième cas, quand on mange du pain. Kazaït de pain, 27 grammes de pain, on fait Netilat sans la bénédiction de Al Netilat Yadayim, faites attention à cela, 54 grammes de pain avec la bénédiction de Al Netilat Yadayim. À part ça, on ne dit jamais la bénédiction de Al Netilat Yadayim. Mais par contre, il y a des cas où on fera Netilat Yadayim, mais sans bénédiction. Sans bénédiction, comme sortir des toilettes, se toucher à un endroit qui était couvert par le corps, comme par exemple le nombril, ou sous la kippa, parce que ça transpire, se toucher les pieds, toucher des chaussures, sortir d'un cimetière, par exemple, après s'être coupé soi-même les cheveux ou couper les cheveux à quelqu'un, se couper les ongles, il y en a qui disent que Ken, Gam Litol Yadayim, tout endroit qui a été touché, il y en a qui disent après avoir touché un animal aussi, il est préférable de faire Netilat Yadayim. Il y a beaucoup de choses qui sont Alpi Chassidut et des choses qui sont Alpi Halakha. Par exemple, Alpi Chassidut, quand on sort des toilettes, tout le monde fait Netilat Yadayim comme l'enseigne le Ben Ishraï. Seulement, Minadin, selon la Halakha, il n'y a pas besoin dans l'absolu de prendre un Keli, de faire Netilat Yadayim avec un keli quand on sort des toilettes. On peut tout à fait se passer les mains sous l'eau du robinet quand on sort des toilettes et dire « Asher Yetzar et Adam » à l'extérieur. Selon le Ben Ishraï, ce serait dommage de rater cette occasion de faire Netilat Yadayim, même si ce n'est pas obligé, parce qu'on répare en même temps les fautes du passé. Donc, Kedai Meod de le faire. Surtout que Netilat Yadayim, comme vous le savez, apporte beaucoup de bénédictions matérielles comme une bonne parnassa. Voilà, tu veux voir s'il y a des questions peut-être? Si des gens ont des questions sur le domaine de Netilat Yadayim avant qu'on quitte ce domaine d'Alakha ici. Alors, est-ce qu'il est obligatoire de prendre un ustensile, donc un keli, pour faire Netilat Yadayim? Réponse, oui et non. Je m'explique pourquoi oui et pourquoi non. Parce que tout le inyan de l'Alakha, tout le domaine de l'Alakha, c'est ce qu'on appelle Kohar Gavra. Ça doit venir de la force de l'homme.
Pourquoi le robinet n'est-il pas valable? Parce que quand j'ouvre le robinet, c'est le robinet qui me donne de l'eau. Donc, ce n'est pas moi qui me fais venir l'eau. C'est l'eau qui vient d'elle-même. Ce qui fait que pourquoi on prend un keli? Il y a deux raisons à cela. Enfin, il y en a beaucoup. Je vais essayer d'être plutôt bref. La première, c'est que il y a un yin de chesed et de din. C'est-à-dire que le monde dans lequel nous vivons, c'est très spécial. On pense que très souvent, on en veut au ciel de nous mettre dans telle et telle situation. C'est faux. C'est un shaker d'enseignement, c'est l'onachon. C'est l'onachon. Comme le dit le roi David, Dieu n'est que l'ombre de ton action. C'est-à-dire que ce que nous faisons sur terre intervient sur les conséquences de ce qu'il y aura en haut. Comme par exemple, si je fais mal les choses, le lait et la viande par exemple, qui sont midata din et midata chesed, la viande c'est la justice, le lait c'est chesed, et je mélange les deux. J'ai mélangé le din dans le chesed, ce qui fait que le monde va être jugé de façon beaucoup plus dure. Les conséquences de mes actions interviennent sur les conséquences des jugements d'en haut. Ose shalom bimromav hu berachamav yase shalom aleinu. Velachen, quand je prends le keli, je dois le prendre de la main droite, parce que la main droite, c'est le chesed. Ensuite, je le verse sur ma main gauche pour dire que la bonté couvre la rigueur. Ensuite, la main droite le passe à la main gauche, donc le chesed dit à la main gauche, maintenant, investis-toi de bonté. Quand je fais ça, je place Dieu sous l'égide de la spiritualité calme et douce vis-à-vis du peuple d'Israël. Le Ben Israël dit, fais attention, quand tu passes de la main gauche le keli dans la main droite, pose-le. Parce que ça voudrait dire que la main gauche qui représente le din, la rigueur, investit aussi sur le chesed. Donc il est préférable de le poser. C'est selon la Kabbale, c'est pas obligatoire selon la halakha, c'est juste une prévention. Donc si j'ai pas de keli, comment je peux agir en conséquence de prendre de la main droite, de verser dans la main gauche et ainsi de suite? Ce qui fait que, si je n'ai pas de keli, eh bien, étant donné que c'est moi qui dois influencer par ma force sur l'eau qui tombe sur mes mains, je vais ouvrir le robinet, mettre ma main droite, fermer le robinet, réouvrir le robinet, mettre ma main gauche. Donc, c'est moi qui, en ouvrant et en fermant, va utiliser le robinet comme un keli. Dans l'absolu, une seule fois suffirait en quantité d'eau. On a l'habitude de faire trois fois, comme j'expliquais déjà dans beaucoup de shiurim, parce que c'est un code pour retirer l'impureté. Mais par exemple, si je n'avais pas du tout de keli et que j'étais au bord d'un fleuve, je pourrais tout à fait mettre mes deux mains dans l'eau en même temps, les sortir et dire un Netilat Yadayim, et je n'aurais pas eu besoin de keli pour autant. Ceci étant, le keli, oui, est obligatoire pour ce genre de choses, sinon on sera obligé de passer par des intermédiaires, des alternatives, pour pouvoir utiliser le système de Al Netilat Yadayim Be'ezrat Hashem. Autre chose ? Quand on a fait ses premiers besoins, ce qu'on fait, Netilat Yadayim. Oh. Alors, ça, c'est une question qui m'est souvent posée. Qu'est-ce qui se passe la nuit quand on se lève pour aller aux toilettes? Et 4h30 du matin, la personne se lève à 6h. Ben, elle va aux toilettes, elle fait Netilat Yadayim sans bénédiction, ou elle peut même se rincer les mains tout simplement sous l'eau, et elle dira, Cher Etzar et Adam, elle ira continuer son sommeil. Quand elle se lève, eh bien, elle dira la bénédiction de Al Netilat Yadayim, puisqu'elle a continué son sommeil. On n'est pas obligé de dire « Al netilat yadayim » le matin, « bichlal » si on va aux toilettes et qu'on en ressort. Uniquement le matin, quand on se compte, ne pas retourner au lit, eh bien, on dira seulement après la bénédiction de « Al netilat yadayim ». Vezehouze, tout simplement, il y a beaucoup de gens qui me posent cette question, qu'est-ce qui se passe la nuit quand je me lève à aller aux toilettes? Eh bien, tu vas aux toilettes, la briou, tu ressors bari vechalem, tu as perdu quelques poids, tu fais une belle bénédiction, « Asheriyat s'arrête à Adam ». Par contre, là où il y a un piège, c'est que si la personne est partie aux toilettes, par exemple, à 5h du matin, ensuite, elle est partie dormir jusqu'à 7h. À 7h, elle se lève, elle fait Netilat Yadayim. Et puis, elle a pas envie d'aller aux toilettes. Faites très attention de ne pas dire Asher Atzaret Adam. Parce que dans le Seder, on fait Netilat, Asher Atzaret Adam. Mais Asher Atzaret Adam, il vient en réalité parce qu'on ressort des toilettes. Mais là, il est parti à 5h du matin, il a dit Asher Atzaret Adam. Il n'a pas besoin de le dire. Donc, il ne dira pas la bénédiction. Quoiqu'en général, le corps humain est fait de telle façon à respecter la Torah et les mitzvot qu'en général, même quand on se lève 2 heures plus tard, on a toujours un petit coin à aller voir pour pouvoir faire l'iskot dans une des bénédictions les plus importantes qu'on étudiera ensemble, l'Ineder, Al Netilat, Asher Yatzar et Adam. Bezrat Hashem, Shinire Beito, ou Bismano. Minadine, si on fait une sieste, non, aucunement avec bénédiction. La bénédiction de Al Netilat Adam, c'est uniquement le matin quand on se lève du lit et avant de manger 54 grammes de pain. Uniquement ça, il n'y a pas d'autre exception à la règle. Par contre, quand on fait une sieste, on n'est pas obligé, minadine, de faire Netilat Yadayim, puisque la sieste veut dire somnoler. De plus, ça se passe dans la journée.
On n'est pas dans les dynimes de la nuit, donc on n'est pas obligé. On peut simplement se lever et faire passer ses mains sous l'eau pour être frais. Aval, celui qui veut faire les choses et qui veut être pieux, fera Netilat Yadayim avec le Keli 1, 2, 3, 4, 5, 6, bien entendu sans bénédiction, uniquement pour être plus pur, pour servir Hachem, mais ce n'est pas obligatoire. C'est bon ? Très bien. Voilà, on a fait un petit récapitulatif. Alors, je m'explique, voilà. On va imaginer que ce... Imaginons que ce soit donc le keli de Netilat Yadayim, on prend toujours le keli de la main droite. C'est marque le 4, à savoir celui qui est gaucher et celui qui n'est pas gaucher, peu importe. S'il est gaucher, il peut compter sur cette main-là, puisque pour lui, la gauche, c'est la droite, et ainsi de suite. Dans l'absolu, même un gaucher peut le tenir de la main droite. C'est une grande marque le 4, Rishonim. C'est pas là qu'est la question. Je prends ce keli. Par contre, je le remplis. Je le remplis avec ma main droite qui représente le chesed. Ensuite, une fois qu'il est plein, je le verse sur ma main gauche, pour que le chesed, la bonté, intervienne sur le din. Une fois que c'est fait, ma main droite le passe au chesed pour lui dire « c'est moi qui te donne ». Le chesed donc va donner de l'influence sur le din. Qu'est-ce que j'y gagne ? J'y gagne que Dieu va me juger dans le ciel avec plus de bonté, puisque j'agis ainsi sur terre. Ensuite, lui, il va verser sur ma main droite. Seulement, si le chesed prend du din, c'est-à-dire si la main gauche le passe au din, il lui rend l'appareil en d'autres termes. En d'autres termes, ce que je veux dire par là, c'est que le din influence aussi sur le chesed. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On pose le keli. Et la main gauche vient le récupérer de la table, et non pas directement. Ce que je viens de vous dire maintenant, et c'est comme ça, donc trois fois de suite, vous avez compris. Un, je passe. Deux, je pose, je reprends, et ainsi de suite. Ce n'est pas obligatoire, c'est juste selon le Ben Israël, Sruto Yegan al Kolam Israël, qui nous explique que selon la Kabbale, l'influence de nos gestes, de nos pensées et de nos actions, de nos paroles sont si importantes que Béhémet, quelque part, c'est nous qui plaçons ou pas nos décrets. Si on agit bien entre nous, si on se comporte bien entre nous, si on fait les choses comme la Torah le demandait, on forcerait, écoutez bien les mots que je vais vous dire, ils sont très durs, on violerait le droit d'en haut d'intervenir tout le temps avec Chesed vis-à-vis de nous. En d'autres termes, Dieu ne peut être que le reflet de ce que nous sommes, et nos agissements vis-à-vis de la Torah et des mitzvot sont à prendre très au sérieux. Moi, ça me fait beaucoup de peine, je vous dis franchement, quand j'entends des gens qui disent « mais c'est quoi ces ch'touillottes là, tu fais ça, mais c'est méchané ». Ils sont tellement petits d'esprit et d'ignorance, c'est pas un jugement que je donne. C'est une explication qu'il faut retenir. Parce que j'ai été comme ça, j'ai été un petit. Pas que je suis grandi, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais quand j'ai commencé à étudier la Torah, je voyais pas l'intérêt de prendre « tu fais ça ». Mais Dieu, il est au-dessus de tout ça. C'est quoi ces ch'touillottes qui comptent ? C'est d'avoir un bon cœur, c'est que… Zenon Achron, vous vous trompez. Tous ces petits détails sont d'une importance capitale. Vous savez, une fois, il y a très longtemps de ça, j'étais chez un bijoutier, et puis je voulais acheter une bague à ma femme. Et puis il a sorti comme ça une espèce de tapis noir, dans lequel il y avait plein de petits diamants, mais plein, je ne sais pas combien, en tout cas des dizaines et des dizaines. Puis à un moment, il y a quelque chose qui roule, on ne sait pas ce que c'est, je ne l'ai même pas vu tellement c'était petit. Et... le vendeur me regarde comme c'est lui, oulala, attention, il prend la lunette spéciale, c'est un truc qui bloque comme ça à l'œil, et il regarde, et avec une pincette, il retire un tout petit diamant, mais tellement petit que je me demande comment il a pu le voir. Et je lui dis, waouh, vous êtes balèze, vous avez été capable de voir un petit diamant comme ça qui s'est échappé, qui a glissé. Il m'a regardé, il m'a dit, un diamant, même petit, ça reste un diamant. C'est exactement ce que je retiens pour la vie, la Torah et les mitzvot. Même si ce sont des choses qui paraissent être des petits détails, un diamant, ça reste un diamant. Chaque mitzvah, vous savez, c'est souvent dans les petits détails que se trouvent les grands gestes. L'achen bezrat Hashem, celui qui peut agir en conséquence, mettra encore plus de valeur de son côté, plus de mazal de son côté, plus de chance de son côté. Baruch Adonai l'olam amen v'amen. Ah, encore deux questions, excuse-moi. Est-ce qu'on aurait droit de dire la bracha de Netilat Yadayim dans sa chambre lorsqu'on sort de la salle de bain de sa chambre ? Absolument. Il n'y a aucun problème de dire la bénédiction dans sa chambre de Al Netilat Yadayim. Après, il y a une question de chassidut, c'est-à-dire si la chambre est en dessus-dessous, qu'il y a des odeurs un petit peu de renfermées, à la zélo. C'est plus une question de moralité. Comme je le dis souvent, il y a le domaine technique de l'alaha, il y a le domaine moral. Il ne faut pas oublier que Dieu se trouve dans le judaïsme, dans le technique de l'alaha et dans la moralité de l'alaha. Ce n'est pas joli quand tu as un soutien-gorge à droite, des chaussettes à gauche, une mauvaise odeur dans une chambre, le mec qui dit « Al Netilat Yadayim ». C'est permis, si ça ne le dérange pas au point de dégoûter, c'est permis. Mais ce n'est pas là-bas qu'on remercie Dieu, quoi.
Dans ce cas-là, tu sors de la chambre, tu dis, maintenant, si la chambre elle est aérée et qu'il n'y a aucun problème, on peut étudier dans sa chambre. Ou on est dans un hôtel. Il faut savoir une chose, la Shekhina ne réside que dans des endroits propres et rangés. Pas chez les fanatiques qui, attention, tu marches par terre. C'est des gens qui sont tellement malades de la propreté. Mais si la chambre elle est correcte, un baiser shumbaya, bien au contraire, il est très bon d'investir, et j'en profite pour répondre à cette question, chaque pièce de la maison de Divrei Torah, de Netilat Yadayim, de joie et surtout de bénédiction, que vous avez toujours une bonne bouche à la maison. Certains disent que même après une machine à laver le linge, on fait Netilat sans bracha. Je ne l'ai jamais lu, mais c'est vrai qu'en touchant les chaussettes, par exemple, ou des choses qui sentent mauvais, ou des slips ou autres, que ça me semble logique de faire Netilat Yadayim, mais ce n'est pas obligatoire. On peut tout à fait se rincer les mains ou même s'essuyer les mains sur les vêtements. Voilà, j'espère que ce genre de shiurim vous apporte, parce que c'est des shiurim qui concernent la vie de tous les jours. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Donc on est Maran Arav Ovadia Yosef, on suit ça à la Chot, en vous souhaitant tous les bonheurs du monde. On se revoit dans un instant pour un shiur important, en tout cas pour moi. Kol Tov. Ce shiur était Bezrat Hashem pour la réussite de Julie Martine Atardo, Yael Bat Naomi Simcha, David Ben Saouda, pour avoir de beaux enfants. Bezrat Hashem, une grande Hatzlacha chez vous. Amen.